Oh, c'est Justine, votre nouvelle femme de chambre, madame la baronne. C'est toi, ma fille. Entre, entre. Cela fait longtemps que je ne t'ai vue. Pourtant, j'étais là hier, comme chaque soir depuis 2 semaines, pour vous aider à vous coucher. Tu en es certaine? Absolument, madame. C'est donc moi qui perds la tête, alors? Non, c'est juste un léger moment d'inattention. Un léger moment d'inattention? Oui. Pourquoi toutes mes robes sont-elles sorties? Je me demande qui a bien pu mettre un tel désordre dans cette chambre. Ce n'est pas moi, en tout cas. Je m'en souviendrai. Ce serait moi? Vraiment? Il est vrai que depuis ce malheur, je ne suis plus moi-même. T'ai-je déjà confié que mon fils unique était mort dans mes bras? Oui, madame. Vous m'avez déjà conté votre malheur. Ah. Décidément, je semble tout oublier ce soir. Si ce n'est le visage de mon fils qui chaque seconde se présente devant mes yeux pour me tourmenter. Quelle faute ai-je commise? Je n'ai pourtant pas été une mauvaise épouse, ni une mauvaise mère. Alors pourquoi moi? Pourquoi? Il n'y aurait que Dieu pour vous répondre, madame. Ces gâteaux te semblent donc si précieux que tu te sens obligée de les tenir par la main pour les accompagner dans leur déplacement. Je ne voulais pas qu'ils soient écrasés. Le mieux pour cela n'est-il pas de les manger? Ah, oui. C'est plutôt à toi que je pensais pour commettre un tel péché de gourmandise. Mon âme, moi, est déjà bien endettée comme cela. Je me souviens quand je t'ai tenue pour la première fois dans mes bras. Tu étais magnifique. Je guettais avec appréhension si un souffle allait sortir de toi, si ton petit corps allait esquisser un mouvement,
même infime. Puis, tu as pris vie devant moi. Je donnerai ma vie pour sentir à nouveau ton souffle sur ma peau et pouvoir te serrer à jamais entre mes bras. Et si nous songions à vous déshabiller, Madame la Baronne ? Comment ? Déjà ? La nuit est installée depuis longtemps ? Pour moi, même le jour semble avoir la noirceur de la nuit. Je suis certaine que vous aurez plaisir à vous reposer. Plaisir à dormir pour tout oublier un court instant ? Oui. Peut-être. Un papillon tout coloré. C'est l'âme de mon fils qui vient me rendre visite. Un papillon ? Où cela ? Comment où cela ? Mais là, devant tes yeux. Ne le vois-tu donc pas ? Loin de moi l'envie de vous contrarier, madame, mais nous sommes en plein milieu de la nuit. Et il y a peu de chances qu'un papillon... Mais là, il est là, te dis-je. Regarde, il volait au-dessus de ma coiffeuse. Ne le vois-tu pas ? Je me dois de vous avouer que non. Eh bien, ma fille, à l'avenir, il te faudra songer à porter des lunettes. Très sûrement, madame. Très sûrement. Thank you.
Voulez-vous vous asseoir devant la coiffeuse que je puisse vous brosser les cheveux? Crois-tu que j'ai encore le goût d'entrapercevoir mon visage ridé au travers d'un miroir? Je suis désolée, madame. Préférez-vous prendre place sur cette banquette? Tout est préférable à ce miroir. Je sais que le monde continue d'exister sans mon fils. Mais pourquoi devrais-je l'oublier? Pourquoi? L'oubli de l'être aimé n'équivaut-il pas à lui infliger une seconde mort? Je ne sais quoi vous dire, madame. Je n'ai jamais connu un deuil pareil au vôtre. Sache que bien des vivants mériteraient d'être morts et que ce monde gagnerait à ce que des disparus soient encore vivants. À l'image de mon fils, qui n'a engendré autour de lui que de la joie. Ce moment est bien le moment le plus agréable de cette longue journée. Je t'en remercie, ma fille. Je suis à votre service, madame. Que ne peux-tu me débarrasser aussi de ce fardeau qui me pèse tant? Souhaitez-vous que nous prions ensemble pour l'âme de votre fils? Prier pour quoi? Pour qui? Je suis en colère contre celui qui m'a pris mon fils. Ce n'était pas dans l'ordre des choses. Une maman ne devrait jamais survivre à son enfant. C'est moi qui aurais dû partir en premier. Dieu a trahi la confiance que j'avais mise en lui. Il a commis un meurtre que je ne peux lui pardonner. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais m'en retourner, madame la baronne. Un instant, ma fille. Viens. Prends cela en plus de tes gages. Tu t'achèteras ce qui te fait plaisir. Madame, je ne peux accepter. Vous êtes déjà si bonne avec moi. Mais si, prends-les. Prends-les en mémoire de mon fils. Comme il plaira, madame. Êtes-vous confortablement installé? Assez.
pour te dire à demain et te souhaiter une bonne nuit. Moi aussi. Je vous souhaite la bonne nuit, Madame la Baronne. La bougie est éteinte? Tu es comme le petit ange qui ne peut rejoindre le paradis à travers l'obscurité du ciel, car sa bougie s'éteint tout le temps. Pourquoi? Car les larmes ininterrompues de sa maman tombent sur la bougie et la font s'éteindre à chaque fois. Fais néanmoins attention à ce que la tienne ne s'éteigne pas dans l'escalier. J'y veillerai, madame, j'y veillerai. Je vous souhaite à nouveau la bonne nuit. Rentre bien, ma fille, et que ce Dieu auquel je ne crois plus te protège. Ton papillon m'a fait chaud au cœur, comme si tu me consolais de ta disparition soudaine, mon fils. Vivement que le grand jour arrive, car je sais que tu seras là à m'attendre. Nous nous retrouverons loin des guerres, des maladies, de la peur ou de la tristesse. Nous aurons enfin la chance d'être réunis, mère et fils, et de rattraper le temps perdu. C'est pour cela que je n'ai pas peur de mourir, car je sais que nous serons réunis pour l'éternité. Je ferme les yeux. Et je te vois.